tout le monde, bienvenue sous ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce vendredi 28 juin 2024, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec Monsieur le jeu de 32. Allons-y, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce vendredi 28 juin 2024. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc 28, vous additionnez 8 et 2, 10. Vous enlevez le chiffre 0 et il ne me reste plus que le chiffre 1. Et le chiffre 1 en numérologie nous parle de quoi? Ben, nous parle tout simplement de réussite. Alors, réussite dans tout domaine, réussite plus particulièrement sur un sujet qui vous tracasse, que ce soit le domaine de la santé, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine sentimental. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles en perspective, je vous le souhaite de tout mon cœur. Concernant ce vendredi, c'est la planète Vénus qui est associée à ce vendredi, donc planète de l'amour, planète des sentiments. Donc additionné avec ce chiffre 1, bah, des bonnes nouvelles, pourquoi pas dans le domaine sentimental, une belle rencontre, le retour de l'ex si vous le souhaitez, bien évidemment. Des bonnes nouvelles en tous les cas qui vont vous mettre en joie, je vous le souhaite. N'oubliez pas que c'est du général, d'accord? Ça ne peut pas tous et toutes vous parler. Je le souhaite très bien que ça soit pour tout le monde, mais il y en a, pour certains ça va parler, pour d'autres non. Voili, voilou, hein? Je suis obligée de le dire, parce que sinon, non. Allez, on y va, monsieur jeu 32, qu'est-ce que tu vas nous dire pour ce vendredi 28 juin 2024? Eh bien, il nous parle tout simplement de réussite. Et en plus, avec quoi? Certitude, 7 de pique, soyons fous. As de trèfle, réussite dans tout domaine sur un sujet bien précis. C'est comme le chiffre 1, comme je viens de vous l'annoncer en intro. Et accompagné d'un 7 de pique, plutôt pas mal. Certitude pour vous, mon consultant, ma consultante. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre, hein, comme je vous ai dit, avec cette planète du vendredi, la planète Vénus. Donc là, on vous dit qu'il y a la réussite et on vous parle de réussite, de bonnes nouvelles. Bon, bah écoutez, on s'arrête là, hein. Je vous dis à demain. Non. non, ça serait trop bien. 2 minutes 07. Bon, on va voir si la coupe ressort, ça serait génial. Ça serait une confirmation. Allez, monsieur le jeu de 32, tirage du destin. Ah oui, je ne vous ai pas fait le tirage en chaîne pique. Bon, ça y est, les vidéos commencent à se mettre en route. J'ai vu que les Sagittaires étaient mises, donc normalement, ça va suivre. Ah ouais, c'est pénible, le téléchargement, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. 7 de carreau, donc on a quand même de la colère. Vous tapez du pied, là, pour certains et certaines, on peut nous parler de colère, un agacement. On va regarder derrière ce 7 de carreau, en quoi vous êtes en colère, en quoi vous allez taper du pied ou vous êtes en train de taper du pied. Pas trop fort, s'il y a les voisins en dessous, si vous êtes en appartement. Et au premier, allez, hop, on a quoi? Alors, 7 de carreau, allons, ouais. Oh, ok. Oh, bah dis donc, on a 3 as d'affilée. Des nouvelles, ok, ok. On a l'argent qui arrive, le travail, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, vous n'êtes pas content, contente parce que peut-être que vous êtes dans l'attente d'un logement social concernant peut-être l'achat ou la vente d'un bien. Vous voyez que c'est long, ça prend du temps, ça vous agace, ça vous énerve. En tous les cas, la signature est là. Donc, zen, d'accord? Alors, c'est vrai qu'on a 3 as, si on devait associer ce dos de deck, hein, dans la continuité. 3 as, attention à la trahison. Pas trahison. Embarras, difficulté, mais vous avez toutes les chances de gagner. Mais attention à la jalousie, hein, 4 as, 3 as, mais là, c'est que 3 as. Donc là, on peut nous parler où on essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être par rapport à un logement social concernant la vente ou l'achat d'un bien. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en rapport avec, vous avez peut-être demandé à votre patron de faire du télétravail, je ne sais pas, en lien avec une signature de contrat, je ne sais pas. En tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles. Donc là, je m'arrête au pic, je reprends l'as de carreau. Et là, ça va être intéressant. On parle de nouvelles de visuel concernant un déplacement. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer dans tout ce qui est démarche administrative, mais attention à tout ce qui est démarche à une femme pas bonne là qui risquerait de bloquer un dossier ou qui est en train de bloquer un dossier, je sais pas pour qui, pourquoi d'ailleurs, concernant peut-être une indemnisation, un remboursement, ou c'est peut-être dans un contexte de travail. Donc si vous avez des choses à dire peut-être à une patronne, un patron, ne le criez pas sur tous les toits, d'accord? Gardez votre petit jardin secret parce que là, vous avez une femme qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ou si vous êtes face à l'administration, on reste zen, on reste calme, même si cette administration vous doit de l'argent ou quoi que ce soit. Parce que si vous commencez à ouvrir la boubouche, eh ben, on va vous bloquer votre dossier. Hein. On va vous dire au suivant, toi, hop, t'es pas contente, t'es pas contente, hop, je te mets de côté. Voilà, punition, c'est comme ça. Je vous le dis, hein, c'est comme ça.
Pas tous, pas toutes, mais c'est comme ça. Ben oui, si vous venez titiller en poussant votre gueulante, c'est sûr que ça donne pas envie hein, de vous aider. Ah ben non. Bon, en tous les cas, on nous parle de projet. 10 de cœur. 8 de cœur. Magnifique. As de trèfle, confirmation, l'as de trèfle est là. Donc, on a bien une confirmation. Là, vous avez un magnifique, pour l'instant, magnifique tirage. Donc là, même si vous êtes en colère, vous êtes agacé, vous êtes stressé, enfin, on verra si on a le 8 de pique, s'il sort. Mais en tous les cas, vous avez les projets de façon assez inattendue qui vont se réaliser. On peut nous parler d'une invitation amoureuse avec qui la personne, il y aura une officialisation. Avec certitude, il y a la réussite. Réussite, waouh, 8, 9, 10, vous avez l'as de trèfle, le 9 de cœur. Vous avez les deux cartes les plus magnifiques dans un tirage du jeu de 32. Donc, joie et bonheur. Hein. Magnifique. Concernant des nouvelles de tout ce qui est lié à l'administration ou tout ce qui est dans le domaine sentimental. Magnifique. On nous parle que cet homme ou cette femme, dans un contexte sentimental, vous aimera, vous kiffera, vous lovera. Ou vous aime, vous kiffe, vous love déjà. En tous les cas, là, on est plutôt pas mal. Côté administration, côté amour, officialisation, pourquoi pas, mais il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles de votre papa. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches administratives pour votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique, hein. On a le roi de trèfle. Donc ça, c'est vous, mon consultant, ma consultante, mais ça peut être votre partenaire masculin ou féminin. Donc là, il y a pas mal de personnages. Côté sentimental, il y a peut-être un choix à faire dans le domaine sentimental. Mais là, en tous les cas, il y a vraiment quelqu'un avec peut-être... qui a du de caractère, mais cette personne vous aime, vous kiffe, vous love, vous adore, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'indemnisation, de documents officiels ou de remboursements qui vont arriver. On peut nous parler d'une jeune femme brune aussi également. On nous parle de retard de contretemps, mais qui ne sera de courte durée. Donc, s'il y a eu un retard, un contretemps concernant un remboursement, une indemnisation ou un document officiel, on reste zen. D'accord ? On ne va pas appeler tous les 5 minutes l'administration où on est votre dossier. Mais non, il y a eu du retard. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se décanter rapidement. D'accord ? Donc, on reste zen. On nous parle de changement dans votre vie, de déménagement. Et vous avez un beau tirage, il ne me reste plus que deux. Hein. Je m'en fais plus qu'on a la dame de carreau. Ben non, on l'a vu là, je crois. Eh, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure ? C'était la carte du 7 de pique et as de trèfle. On a quoi ? Waouh, bon, bah, magnifique. Oh, vous avez un magnifique jeu. Franchement, vous n'avez aucune carte négative. Vous avez, franchement, vous avez trois rois. Vous avez les deux cartes les plus fortes dans Monsieur le jeu de 32. Vous avez le côté, même s'il y a du retard, ben, ça ne sera de courte durée parce que le 10 de pique vient balayer ce retard. Vous avez deux bonnes nouvelles. Vous avez les deux cartes les plus rapides. Oh, mais franchement, c'est magnifique. C'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Donc, des nouvelles peut-être si vous voulez déménager. J'ai une confirmation, mutation, déménagement. Les choses vont bouger, c'est magnifique. Et là, on a de bonnes nouvelles concernant tout ce qui est en rapport avec le lointain. Donc, un déménagement, un changement de région, un changement de pays. Mais en tous les cas, ça va bouger. Bon, cool. Association de cartes. Un as, je n'en veux pas, mais c'est l'as de trèfle. Hein, on ne va pas s'en priver. Donc, c'est la réussite de toute façon. En roi, 1, 2, 3, succès. 4, 3, 3 rois, c'est... la protection. En dame nada, elles sont parties, toutes en train de faire la fête, les filles, elles sont pas là. En valet, j'en ai deux. Deux valets, on s'inquiète, mais c'est pas bien méchant, je pense que c'est par rapport au retard. En 10, j'en ai trois. Donc, joie sur un projet. 4, 10, 3, 10, la synonyme, c'est la satisfaction. Vous allez être satisfaite. En 9, j'en ai deux, vous allez recevoir un gain, un petit gain. Généralement, vous allez recevoir une somme que l'on vous doit, avec ce 8 de trèfle. En 8, j'en ai deux, liaison amoureuse qui peut se transformer en véritable amour, hein, avec ce roi de cœur, ce roi de trèfle, ce 10 de cœur, ce 9 de cœur, plutôt pas mal. Bon, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de très positif là, en 7, j'en ai pas, donc magnifique. Bon, je vais quand même recourir, monsieur le 7 de carreau, la colère, bien sûr. Mais la colère, pour moi, c'est juste les petits retards. Ah, bah dites donc, devinez qu'est-ce qui tombe. Ah bah oui, c'est notre copine. Elle ne va pas venir, la coquine. Hein. Dame de carreau. Bon, peut-être contrariée, peut-être par rapport à une femme. Elle est tombée. Hein. Contrariée, colère, peut-être par rapport à tout ce qui est domaine, administration juridique ou concernant une procédure, peut-être en lien avec une femme. Et vous allez devoir vous déplacer pour régler le problème, pour récupérer votre dû. Bon. Et ça peut être des nouvelles, peut-être un entretien que vous allez passer. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Monsieur le jeu de 54, tu as combien? Même pas 10 minutes. C'est cool, hein? Allez, vendredi 28 juin 2024, hop, hop, hop.
On a 4 de pique, 3 de pique. 4 de pique nous parle de difficultés dans le domaine de la famille ou dans le domaine amoureux. 3 de pique, on peut nous parler de tout ce qui est choses qui sont retardées, repoussées. Il va falloir être patient. Et pour d'autres, ça peut être les retrouvailles d'une personne du passé. Donc là, peut-être que il peut y avoir des petites difficultés dans le domaine familial. Peut-être un papa ou une maman à vous occuper. Peut-être il y a de l'administration. Dans le domaine contexte amoureux, c'est pas bien méchant. Mais bon, il y a des petites difficultés. On verra après avec les autres tirages. 4 de trèfle, magnifique. Le foyer, la famille. Ça peut être des projets d'emménager seul ou des projets d'emménager à deux, hein, aussi avec ce 4 de trèfle. Ça nous parle d'une rentrée d'argent. Ça nous parle de tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Et on a 6 de cœur, magnifique, qui nous parle de sentiments partagés dans le domaine sentimental, de réconciliation et aussi d'une rentrée, d'une belle rentrée d'argent. Bon, ça va, c'est cool. Oui. Monsieur l'oracle des miroirs. J'allais prendre la métiste love en premier, mais non. Allez, vendredi 28 juin 2024. Monsieur l'oracle des miroirs dans le sentimental. Un rêve ou des rêves se réalisent. Et ça va être pour vous, une fois que vous allez réaliser ce rêve, eh bien, ça va être une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Le soleil vous attend. Et cette nouvelle porte et surtout cette clé de réussite vous attend aussi. Donc, peut-être une belle rencontre, le retour de l'ex, si c'est dans le domaine sentimental ou cette personne avec qui vous êtes en triangulaire. Pourquoi pas, hein? Mais ça peut être aussi concernant le domaine professionnel, etc., ou domaine de la santé. Ben, la santé, justement, elle est là. Il y a quelque chose qui vous perturbe. L'amour est là, en tous les cas. L'hérédité, les enfants, la famille et le foyer, la maison, le couple. Alors, est-ce que cette relation vous fait peur? Vous voyez, vous avez peur. En fait, ça vous fait peur, cette relation, parce que vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que cet homme ou cette femme a de l'amour pour vous. Et en fait, vous flippez. Hein, et regardez, il y a de la joie. Cette joie, hein, c'est comme le 9 de cœur, vient manger ce côté échec et qui vous impacte moralement et physiquement et psychologiquement. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. Avec qui? Royal, il y a l'amour total. Peut-être que cet homme ou cette femme a des enfants ou c'est vous, mais en tous les cas, je n'ai pas de négatif en soi par rapport à ça. Et j'ai bien de l'engagement et surtout une officialisation. Même si sur le côté, en d'autres decks, nous avons la carte de la santé, on voit que cela vous tracasse, vous avez peur à l'échec, cela ne marche pas. Mais rassurez-vous, vous avez cette belle carte de cette joie qui vous annonce joie et bonheur. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, beaucoup d'amour entre vous. Peut-être que cet homme ou cette femme a déjà créé sa propre famille, donc a des enfants ou c'est vous. En tous les cas, il n'y aura pas de problématique. Il y aura bien de l'engagement, une officialisation à vivre ensemble. Pourquoi pas d'acheter ensemble. On voit que ça vous impacte ce nouveau départ, ce nouveau changement avec cette personne. Même si ça vous met en état d'échec parce que la peur de ne pas y arriver, la peur que ça s'effondre. Niette, on avait cette carte de joie qui est juste derrière. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle d'amour entre votre couple, on nous parle de foyer, de famille, d'enfants. Tout va bien et on nous parle de foyer encore une fois avec cette maison. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif. Alors peut-être que vous êtes tracassé, c'est peut-être votre état d'esprit ou de votre caractère d'être toujours angoissé, le stress. Mais ne rassurez-vous, il n'y a aucune contrainte. Dans un projet que vous voulez mettre en place avec votre mari, votre femme ou concernant une situation qui vous tracasse. Mais en tous les cas, l'amour est bien présent dans votre couple et ça, c'est génial, ainsi que l'amour de la famille et du foyer, du couple, etc., etc. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer ou qui sont en instance de divorce, ben vous quittez votre mari, votre femme, c'est vous, ou c'est lui ou c'est elle, mais en tous les cas, vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou vous rencontrerez quelqu'un d'autre. On nous parle que vos amis, votre famille, surtout vos enfants vous soutiennent et on vous dit peut-être que vous voulez récupérer peut-être ou racheter la part de la maison ou vice-versa. Mais en tous les cas, les choses se font sûrement, mais doucement, mais sûrement. On voit que ce divorce vous impacte, hein, vous avez peur à l'échec, mais à la finalité, il y aura de la joie et du bonheur. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle d'amour avec cette personne. Cet homme ou cette femme est déjà avec quelqu'un, ça c'est sûr, parce que c'est vous les triangulaires. Mais surtout que cette personne est peut-être proche de ses enfants. Mais quand ça se saura, ben, les enfants ne comprendront en tous les cas. Peut-être que les enfants, la famille ressentent que déjà avec la personne que vous êtes, ben, que de son côté à lui ou à elle, dans sa famille à lui ou à elle, ben, ça ne va pas dans son couple. Donc, il n'y aura pas d'impact, voyez. Et on voit bien cette vie commune. On voit que cette relation vous met dans ce côté d'état d'échec. Vous avez peur que ça ne marche pas, mais on vous annonce de la joie et du bonheur juste derrière. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On vous dit qu'il y a toujours de l'amour entre vous, hein, quand il ou elle reviendra. Il y a peut-être eu des enfants, hein, que vous avez fait ensemble. Et oui, en tous les cas, les enfants seront contents. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ben, les enfants de lui, de monsieur ou de madame seront contents. Ou vice-versa.
Mais en tous les cas, on se remet ensemble, on revit ensemble, on achète ensemble si ce n'était pas le cas à l'époque. Mais on voit que ce retour vous impacte, ça vous fait peur. Ben oui, la peur qu'il ou elle reparte. Mais en tous les cas, il y a de la joie, il y a du bonheur. Ben voilà, voilà. C'est beau, hein? Ah ben oui, ah, ça gratouille, ça gratouille. Allez, on y va, monsieur l'améthyste love. Allez, ce vendredi 28 juin 2024. Allez, on y va. On a de l'autorité et on a le secret. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer, ou l'ex ou les triangulaires, peu importe. Alors, comme je disais, hein, cet homme ou cette femme est peut-être déjà papa ou enfin mère ou père de famille, mais il y a quand même cette autorité. Donc, on voit bien que c'est une personne qui est bien dans l'éducation. Mais on vous dit peut-être que là, vous ne voulez pas ébruiter cette relation. Ou alors, c'est lui ou c'est elle qui cache cette relation. Alors, ce n'est pas méchant. Je ne ressens pas de choses méchantes dans cette coupe. Je pense que c'est pour préserver votre couple, voyez. Regardez, parce que voyez, cet homme ou cette femme pense à vous, ou il ou elle pense à vous. On nous parle, un événement va arriver, on vous dit peut-être avant les 3 mois ou dans les 3 mois. Et voyez, on retrouve ce côté père, ce côté mère, ce vous inversez. Mais on voit qu'on a ce côté autorité, mais sécurité. Vous voyez, c'est une personne qui protégera sa famille, qui est dans la protection. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a de la prestance, qui a du caractère, mais pas un mauvais caractère, hein, d'accord? C'est une personne qui pense à vous et c'est une personne qui, avec vous, est dans cette voie de guérison. Alors, je pense que cette personne a souffert, hein, d'accord? Mais là, vous avez un beau tirage. Allez, The Power of Love. Allez, vendredi 28 juin. Oh non, j'en ai trop. Ah, oh, quoique. Non, j'en ai que 3. Bon, on nous parle d'un amour véritable. On nous parle de dépendance affective. On nous parle de réconciliation. Alors là, on nous parle que vous pourriez tomber sur une personne avec qui c'est très fusionnel. On nous parle d'un côté amour véritable. Au milieu, nous avons cette carte de dépendance affective. Donc, peut-être que plus que vous allez être avec cette personne, ou inversement, cette personne va être avec vous et il y aura cette dépendance affective. Attention, il ne faut pas que ça devienne de l'obsession parce qu'il y aura peut-être des petits couacs, des petites engueulades parce que là, on a la carte de la réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même hein, par rapport à cette dépendance affective. Hein. Vous voyez, il y a ce rapprochement. Mais ça peut être aussi, ce côté un petit peu à lui ou à elle de se rattacher à vous aussi. Hein. Parce que peut-être lui ou elle a souffert. Vous voyez, on a ce rapprochement. On voit, hein, c'est vraiment quelque chose de doux. Vous voyez, on voit qu'il y a eu une pause où cet homme veut faire le point. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme ou une femme, il est en train d'être déboussolé par rapport à votre rencontre ou future rencontre. Il y a ce côté, je vais recouvrir la carte de la pause. Ouais, vous voyez, peut-être que vous avez besoin de faire le point et de parler avec des personnes pour expliquer votre situation. Parce que là, mais moi, je n'ai pas l'impression que ça soit vous. C'est plutôt la personne que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré le retour de l'ex, les triangulaires. J'ai l'impression que cette personne est en train de s'attacher encore plus qu'elle n'était avec ses précédentes relations. Parce qu'il ou elle vous ressent sincère, mais justement cet homme ou cette femme, bah, vous voyez, il y a eu des mensonges dans sa vie. Donc il ou elle fait très attention, mais avec vous, il a ce côté confiance. Vous voyez, il y a un lien d'âme. Il le ressent, hein, ou elle le ressent. Donc... c'est une personne qui s'accroche vraiment à vous, quoi. Alors, peut-être qu'elle ne vous le dit pas, mais si vous allez vous disputer, comme je disais, il peut y avoir des petits couacs, il n'acceptera pas cette absence. Hein. Ce vendredi 28 juin 2024, waouh. Voyez, il y a une situation de fin. On a quand même ce côté blocage avec ce 9 de pique, mais les blocages vont se disparaître. Hein. Tout ce qui est négatif, ça se déblaye. Et on a un nouveau départ. Hein. Voyez, on a un 7 de cœur. On a cet homme ou cette femme qui pense à vous. On a une réconciliation. On a un nouvel amour. Donc, tout ce qui était bloqué, ça disparaît. Voyez, vous êtes dans l'attente où cet homme ou cette femme est dans l'attente de vous. Il y a des projets. Hein. On a le 10 de cœur. Hein. Et on retrouve ce 7 de cœur. Hein. C'est hallucinant. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Ça peut nous parler de projet de bébé. Hein. Alors, je parle vraiment pour celles et ceux qui sont en âge d'avoir un bébé. Ne hein. Me dites pas en commentaire encore. Hein.
Hein, ben moi, c'est pas possible. Hein. J'ai 70 ans. Mais non, je sais bien. Hein. À moi, un miracle. Hein. Mais non, mais je sais bien. Je suis une femme. Hein. Horloge biologique, hein, je connais. Hein. Ah bah oui, la merveille. Après ménopause, ménopause. Allez, vendredi 28 juin 2024. Bon, on nous parle, vous voyez, ça ressort tout à l'heure, on avait le 7 de carreau, on a la colère. Mais vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Parce que vous êtes dans l'attente, hein, tout simplement, vous tapez du pied, vous voyez, vous allez recevoir des bonnes nouvelles par courrier, par écrit. Et on voit que ça vous angoisse. Mais regardez, vous êtes protégé. Et les nouvelles, c'est quoi? Alors, ça peut être suite à un accident, soit de route, un accident de vie, accident de route, accident de travail. Et on voit que ça peut nous parler aussi d'une personne qui chute, avec qui il y a beaucoup d'amour entre vous dans la famille. Mais là, ça peut nous parler d'un accident. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une réponse. Vous êtes dans l'attente, là. Hein. On voit bien qu'il y a une attente. Attente de procédure, hein, peut-être par rapport à un accident du travail. Bon, là, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, de votre partenaire masculin ou féminin. On nous parle d'angoisse. Vous êtes protégé. No stress. Et regardez-moi ça. Vous avez W protection, hein, par rapport à quelque chose qui vous angoisse. Vous avez l'élévation, vous avez la famille derrière. Donc, on va voir. Ça peut être concernant un problème de santé, hein, parce que la carte de la maladie, hein, c'est la maladie, mais c'est lié aux angoisses, au stress, comme le 8 de pique. Et ce n'est pas parce que vous sortez la carte de la maladie que ça y est, c'est la fin de vie, c'est la mort, c'est... Voilà, vous voyez, il faut toujours, bon, celle-là, elle est ressortie, toujours recouvrir une carte sur une carte négative. Ça vous donne une réponse. Allez, sur la maladie, c'est quoi, voyez? Alors, là, vous angoissez parce que vous êtes dans l'attente d'un éclaircissement. Alors, vous allez avoir cet éclaircissement, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, soit vous avez été curieuse, il y a quelque chose qui vous angoisse, vous avez été curieuse et vous allez avoir votre réponse. Mais... peut-être que vous sentez qu'on vous surveille. Ça peut être au boulot hein, aussi. Hein. Vous pouvez ressentir qu'on vous surveille, voyez, parce que ça jacasse derrière. Hein. Il y a des pourparlers, voyez, il y a un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est dans le travail, vous avez rencontré quelqu'un et faites attention, on vous surveille et ça vous angoisse, tout simplement. Mais là, j'ai un nouveau départ. D'accord? Ok. Vous voyez, on a le commerce, hein, le trafic, le commerce et le travail. Hein. Le commerce, le trafic. Monsieur Grand était là. Allez, vendredi 28 juin 2024. Parce que la carte du trafic, hein, c'est pas trafiquant. Hein. Non, mais... Ben non, le trafic. Allez, vendredi 28 juin 2024. Allez, on y va. Fille blonde. Oh, il y a un imprévu. Vous allez recevoir des nouvelles d'une femme blonde. Un imprévu, des nouvelles. Vous voyez, vous avez de l'appui, hein. On a quoi? Ouais, vous allez pouvoir souffler là. On a la carte de la dépendance derrière. Et vous allez être agréablement surpris, surprise. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? 3, 4, 5, 6, 7. 7 de bâton à l'envers. On a de l'indécision là. Alors le 7 de bâton, quand il est à l'endroit, on parle que vous vous défendez, vous êtes prête, on reste debout, même s'il y a des problématiques. Rien ne vous fait peur. Là, il y a une petite indécision qui vous laisse sans voix. Vous vous dites, oh, qu'est-ce que je fais? Ça ne va pas vous prendre plus la tête que ça. Hein, voyez? Parce que regardez, on a la réussite. Oh, on a valet de coupe. Oh, on a une femme brune. Donc voilà. S'il y a eu ou vous ressentez qu'il y a un peu de conflit, que ce soit au travail, de la jalousie, dans la famille, voilà. Ne vous prenez pas la tête puisque vous avez le 3 de coupe, mais surtout, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la réussite. Hein. Concernant des bonnes nouvelles qui vont venir vous arriver, puisque le valet de coupe, c'est le messager qui apporte les bonnes nouvelles, c'est l'amour, l'admiration, la proposition sentimentale. Et là, on a une femme brune, hein, une dame de denier qui nous parle de stabilité, de sécurité. Donc là, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles, d'accord? L'indécision, c'est surpoids. L'utilité, peine tendant à leur fin, 3 de bâton, c'est aussi tout ce qui est les bonnes nouvelles. La communication. Alors, est-ce que justement, vous avez du mal à prendre une décision? Donc, je ne recouvre pas, vos cartes sont magnifiques. Peut-être dans le domaine sentimental. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous dire, qui va déclarer sa flamme. Hein. Là, vous avez la fortune derrière, j'ai pas de carte négative. Hein. Vous avez un beau jeu, là. Hein. Enfin, un beau tirage hein, pour ce vendredi 28 juin. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous avez la pensée. Vous avez un 7 de coupe. Vous avez le mois d'août, signe du mois d'août, c'est les lions et vierges. Le 7 de coupe, il est à l'endroit. Oui, donc, il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein.
on va dire, mais ça vous fait peur. Puisque le 7 de coupe, c'est les peurs, les craintes, les rêves, les tentations. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Allez, on y va. Bon, on vous dit, waouh. Alors, pour certains et certaines, on peut nous parler de grossesse. D'accord, j'ai l'as d'épée, mais à l'envers, mais peu importe. On nous parle que vous allez avoir de la force. La grossesse, c'est un nouveau départ professionnel, nouveau départ dans une relation. Ça peut être bien sûr significatif de là, tout ce qui est la grossesse hein, physique. On nous parle du signe du mois de septembre, Vierge et Balance. Vous pourriez apprendre une grossesse. Et on nous parle d'avenir. Donc là, il y a un très bel avenir qui vous attend. On nous parle de patience. Alors, peut-être que vous êtes en train de faire un bébé et ça ne marche pas, mais les choses vont se décanter. Vous pourriez apprendre une grossesse au mois de juillet. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Allez, carte de synthèse, monsieur Papus. Waouh, on a la mort. Il y a une situation qui prend fin. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. J'ai la lettre. Et là, on nous parle de bonnes nouvelles concernant un héritage. On a le 5 de coupe. On a encore le mois de juillet. Hein. C'est fou ça. Juillet, c'est Cancer et Lion. Le 5 de coupe, il est à l'endroit. Alors peut-être que vous parlez de... Peut-être que là, à l'instant T où vous visionnez, vous êtes dans le regret, vous êtes déçu, vous êtes triste, vous êtes dans le négatif. Mais pour moi, vous êtes dans l'attente. Et là, c'est la fin avec cet arcane majeur, la mort. J'ai quoi derrière? Ouais, j'ai le soleil, magnifique, j'ai le soleil, j'ai l'ermite. Oh, magnifique. Bon, là, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Ça va être la fin. Et rappelez-vous, on l'avait hein, avec monsieur l'oracle de la Sibylle, la mort. Hein. Bon, on reprendra monsieur Papus pour votre... Oulay. On a le roi de denier et on a le 2 de coupe et le 2 de cœur. Belle réussite, les rêves se réalisent. Le 2 de cœur, c'est l'amour mutuel, l'union, l'émotion, l'âme sœur, l'engagement, ce que vous voulez. Il y a de l'amour dans l'air, un roi de denier. Peut-être que cet homme ou cette femme est une personne qui est stable, vous apporte la stabilité. C'est une personne qui est responsable, qui a la protection, qui sait gérer sa vie, qui a la tête sur les épaules. Que ce soit sur le plan professionnel ou financier. Il y a de l'amour dans l'air. Mais ça peut être vous, hein, ce roi, ou cette, vous inversez ce roi de denier, peut-être vous. Allez, monsieur Tarot des Bohémiens, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, vous voyez, on a le diable. Donc faites attention dans le domaine professionnel. Vous pourriez avoir de la jalousie, peut-être que vous la ressentez déjà. Faites attention à la tentation, c'est le diable, c'est les situations qui sont malsaines. Il faut faire attention autour de vous. Et là, on a une petite précision, ça serait dans le contexte professionnel. Si c'est dans le domaine sentimental, vous pourriez faire une belle rencontre dans le domaine professionnel, mais faites attention à la jalousie. Hein. On vous guette, hein. On vous surveille. Hein. Et trois fois, hein, la mort. Donc, il y a un signe. Là. Il y a quelque chose qui prend fin, là. Il y a quelque chose de positif qui prend fin. Et là, on a le 3 de bâton et le 3 de carreau. Alors, le 3 de carreau nous parle de tout ce qui est lié en affaires professionnelles. Les choses vont aboutir. Il y a une évolution professionnelle. Alors, c'est vrai que le 3 de carreau est à l'envers comme le 3 de bâton. Donc, les choses vont se décanter, sûrement, enfin, peut-être tout doucement, mais sûrement. Et le 3 de bâton, lui, nous parle tout simplement de communication, des messages qui vont arriver. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent très vite, hein, d'accord? Mais comme il est à l'envers, donc, les nouvelles arrivent, patience. Voilà, mais dire ça comme ça, vous avez tout compris. Allez, vendredi 28 juin 2024, on va voir avec le professionnel. Mais vous avez un beau jeu, hein, de, pratiquement. Alors déjà, monsieur le jeu de 32 était magnifique. Allez, vendredi 28 juin 2024. Oh, mais en ce moment, valet de coupe, hein, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein, ça fait deux fois qu'il ressort aussi. Et là, vous avez le roi d'épée. Alors, bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont au prud'homme. Je vous le souhaite. C'est le valet de coupe, c'est le messager qui vous apporte les bonnes nouvelles. Le roi d'épée, c'est une personne qui est intransigeante. Hein, c'est une personne qui est froide, qui peut paraître froide, qui est très communicante, qui est très cultivée, qui est dans la dureté et qui dit les choses. En tous les cas, alors, si on reste dans la coupe, vous pourriez faire une belle rencontre ou des nouvelles d'une personne qui travaille dans la justice. Et sinon, le valet de coupe, c'est l'amour, l'admiration, proposition sentimentale. Mais là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Et encore une fois, ça peut être aussi dans le domaine tout ce qui est lié à la justice. Hein. Si vous avez postulé, si vous avez passé des concours, il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Ou alors, si vous voulez vous mettre à votre compte, hein, vous allez devoir passer, bien sûr, par la case juridique. On a la lune, mais à l'envers. Alors, la lune, généralement, quand elle est à un endroit comme ça, c'est les situations qui sont troubles, les choses qui sont cachées, les choses qui sont difficiles pour certains et certaines. On a le signe des Verseaux et Verseaux Capricorne, mois de janvier. Mais là, la lune est renversée. Donc, tout ce qui était négatif, toxique,
les gens autour de vous, les ennemis, hop, housse du balai. Mais je vous ai dit, faites attention aux professionnels quand même. Bon, vous allez être agréablement surpris, surprise. Vous avez le 2 de bâton qui nous parle de décision à prendre. On va peut-être vous proposer ou d'évoluer. C'est à vous de dire oui ou de dire non. On a le signe du mois de mars, donc bélier et poisson. Mais c'est pour tous les signes, waouh. Vous avez l'as de bâton. Vos souhaits vont se réaliser. Victoire, victoire, victoire. Magnifique. Et vous avez une fille brune. Et on a la justice, vous voyez, on reparle encore de justice, hein. Vous avez le 8 de denier. Donc l'as de bâton, je reviens vite fait, c'est hein, les souhaits qui se réalisent, c'est les opportunités. Donc ça c'est cool, on va vous, c'est comme si on va vous apporter un travail sur un plateau, mais vous serez peut-être conseillé d'une femme brune, bon, qui n'a pas l'air négative en soi, hein, puisque c'est le 8 de trèfle, c'est tout ce qui est lié au papier d'administration, mais c'est aussi une femme brune, fille brune, peut-être un peu plus jeune que vous. Et là, c'est en lien avec une, de l'affaire en justice. Alors, ça peut être d'un côté professionnel dans le domaine carrière justice, juridique, mais pour d'autres, ça peut être une affaire de justice. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles, hein, puisque là, j'ai le remboursement indemnisation. On parle du signe du mois de février, donc c'est Verseau et Poisson, ouais. Mais on vous dit qu'il y a, là, il y a la réussite et vous allez être agréablement surpris ou surprise. Donc, voilà, voilà. Oh, 30 minutes, vous voyez pas? Tellement que c'est fluide. Quand c'est fluide, c'est fluide. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Les signes astrologiques, ils arrivent tout de suite, juste après. Normalement, ça va être bon. Le temps que celle-ci se télécharge. Et ensuite, bah, ça va être dans la continuité. Et puis, le tirage en chien de pique, vous l'aurez, bien évidemment. Peut-être demain, je ne sais pas, en fin de journée, ouais. Ou demain matin, peut-être de bonne heure. Je vais voir. Peut-être vous le mettre, je vais voir. Je vais voir comment je m'organise. Donc, voilà, voilà. Je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye bye.